Cet endroit, effectivement, c'est le marché de gros hein, de la ville. C'était même un marché d'intérêt national à partir de 1966. Hein, le marché de gros s'installe ici, est inauguré donc en 1961. Les premiers marchands s'installent là le 9 mai 1961. Et ce marché de gros, très vite, on l'appelle le marché-gare. Pourquoi on l'appelle le marché-gare? Eh bien, justement, à cause de cette dimension ferroviaire qu'a le quartier finalement depuis le milieu, depuis même les années 1830, renforcé au milieu du 19e siècle avec l'arrivée de la gare de Perrache. D'où le nom de marché de gros mélangé à marché à la gare, et bien du coup ça devient le marché gare en fait. Le quartier de la Confluence est un quartier de logistique donc depuis sa création pratiquement au XVIIIe siècle. Cette dimension logistique est renforcée tout au long du XIXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer en 1832, puis l'arrivée de la gare de Perrache évidemment dans les années 1850. Et cette dimension logistique sera renforcée tout au long du XXe siècle. L'arrivée du marché-gare est presque une conséquence logique. Ce marché-gare, on lui crée un espace dédié, donc 16 hectares, fermé par des grilles finalement. Et on ne peut rentrer dans ce marché-gare que par un bâtiment, le bâtiment porche, donc qui permet de pénétrer dans cette enceinte qui finalement est très séparée du reste de la ville. Et ça, ça en fait quand même un espace d'ailleurs très fonctionnel, fonctionnaliste même on devrait dire, très pratique. Il est vraiment pensé à la fois pour le transport, pour que ce soit pratique pour les usagers, les grossistes, etc. Le marché-gare a une architecture qu'on peut considérer un petit peu comme double. On a à la fois donc les grands équipements de type fonctionnel, donc les fameuses halles, des bâtiments qui étaient conçus pour le transport routier hein, et donc pour le stockage et la vente, la redistribution donc des marchandises qui étaient ici. Et en revanche, le bâtiment porche, c'est un bâtiment qui est un bâtiment monumental, qui montre un petit peu l'aspect institutionnel de ce nouveau marché. C'est d'abord pour garder la mémoire du site et de cette histoire quand même, évidemment. On appelle ça d'ailleurs le quartier du marché, je crois. En même temps, c'est pour créer un petit peu un espèce d'effet de seuil d'un passage à l'autre, un petit peu. Et là, on n'est plus pour aller dans un espace fermé, mais plutôt entre le quartier de Sainte-Blandine, le quartier historique, qu'on appelait aussi derrière les voûtes, et puis le nouveau quartier de Confluence. Donc en fait, on est plutôt sur un seuil, un sas, un passage. Et je pense que c'est intéressant d'avoir gardé une trace de ce passé, autant pour l'histoire que pour même l'architecture, que pour l'urbanisme dans la ville.